Bienvenue à ce quatrième épisode du JT de 20h04. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Nous sommes vraiment désolés, il y a eu des problèmes. Nous avons un nouveau plateau maintenant qui sera définitif. Et bien sûr, c'est bientôt Noël et les fêtes de fin d'année. Joyeux Noël et joyeuses fêtes de fin d'année. Et nous en reparlerons tout à l'heure. Mais d'abord, le sport et l'actualité. C'est que nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde, nous nous sommes qualifiés face à l'Ukraine, et nous avons été dans une bonne poule. Nous avons interrogé un joueur de l'équipe de France. Bonjour Karim Benzema. Bonjour. Que pensez-vous de cette poule ? Bah, je pense qu'on a eu la meilleure poule, il n'y a pas beaucoup... D'équipe forte, l'ennemi potentiel c'est la Suisse, mais on devrait les battre. L'Honduras, on l'a jamais affronté, mais ça devrait le faire. Et l'autre équipe aussi, ça devrait le faire. L'Équateur. Et êtes-vous confiant pour la suite de la Coupe du Monde? Bien sûr, bien sûr. Savez-vous si vous pouvez être l'un des meilleurs joueurs à la Coupe du Monde? Bah, je pense pas. Il y a des grandes stars, même si Ibrahimovic est absent. Mais sinon, peut-être de l'équipe de France, je sais pas. Peut-être sera Ribéry, je sais pas. Ok, merci. On va vous regarder sur votre entraînement. Ok. Au revoir. Allez, on y va, on y va, on y va. Et nous allons regarder leur entraînement. Allez, on le dribble, on le dribble, on le dribble, ouais. Tiens la passe. Eh ben non. Si on... Feinte de frappe. Ah, oh, j'ai fait un poteau. Tiens, prends... Ouais, j'ai. Oh, crochet extérieur. But, 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 but. Et l'actualité, c'est aussi les fêtes de fin d'année. Et oui, dans ces fêtes de fin d'année, nous serons en 2014. Nous vous fêtons une bonne année et un joyeux Noël. Voici les images de France-Ukraine. Et cet épisode 4 du journal du JT du 20h04 est fini. Passez de bonnes vacances. Salut, à la prochaine. Wow, le but! La France est qualifiée en Coupe du Monde! Oh là 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 là! C'est la joie des Français! Ouais! On est qualifié au Brésil! Et la déception des Ukrainiens, bien sûr, après cette défaite. Mais la joie des Français.